Bien bonjour à tous, c'est Alex Benito, on se retrouve dans ma carrière avec Rennes. Aujourd'hui, on va affronter Feyenoord en huitième de finale d'Europa League. On a fait un beau parcours. La dernière fois qu'on s'est quitté, c'était juste là, face à Lille, cette victoire 5-1. J'ai pas voulu abandonner et j'ai eu raison puisqu'on a terminé la vidéo sur un très beau score. J'ai enchaîné avec un 3-0 face à Strasbourg, but de Foulquier, Martin et Flavien Tate. Aujourd'hui, on va affronter Feyenoord. Puis Bordeaux, puis à nouveau Feyenoord dans un final de Coupe de la Ligue à venir. On a une très très belle fin de saison, surtout vu voilà notre classement. C'est vraiment pour une première saison, c'est très très beau. Et je pensais pas, je pensais pas en faire autant. Pour moi, je fais pas, je fais pas forcément un euh, début de saison parfait, mais finalement les résultats sont quand même, euh, sont quand même là et on va pouvoir. Euh, rester euh, en Europe la saison prochaine la compo que je vous annonce dans ces huitièmes de finale d'Europa League il y a des très très belles affiches hein. Arsenal Espagnol, Besiktas Shakhtar Borussia Manchester United on a un beau Lazio Atletico Lyon CSKA Moscou PSV Eindhoven face à Bruges et un beau Séville Rome également face à la légende Yapstam j'ai changé un petit peu la compo avec bagnant qui va être en pointe avec euh, Unu, Flavian Tate qui est là, Rafinha, Kamavinga, Bourijo, Mawatsa, Soleil Silva à la couche Mendy. Et, euh, et euh, Pefok qui, euh, qui sera sur le banc. Ce qui ne m'a pas trop plu ces derniers temps. Allez, c'est parti. C'est parti. Premier match en déplacement aux Pays-Bas. A Feyenoord. On fera face à la compo suivante. Jorgensen, Larsson, Berguis, Ayub Tanstra. Elle est pas mal cette compo. Avec Edgarier aussi. Senesi, La compo est pas trop mal. Mais je pense qu'on a quand même, même l'avantage. Après, attention, toujours des grosses surprises en Europa League. Surtout ici en déplacement. C'est jamais évident de se déplacer. Donc on va voir ce que ça va donner. Allez les gars, allez les gars. Je pense qu'on peut le faire. On jouera en bleu aujourd'hui. Ça serait bien de se mettre à l'abri direct, notamment avec des buts à l'extérieur. Le premier dégagement du gardien. Ah, c'est récupéré par Affinia. En une touche de balle pour Mba la sortie du gardien. C'est peut-être pas fini. Mba qui loupe. Il n'y avait pas de gardien. Il y avait zéro gardien. Ah oh là là, mais c'est pas possible. Et là, et là qu'est-ce qui se... Quoi C'est quoi ce match Non, mais, mais, mais c'est pas possible. On me troll, on me troll, mais à chaque fois c'est comme ça. Après, on, on me reproche de râler sur mes lives, mais là c'est pire. En 5 minutes, le, le match a basculé. J'ai même pas mis full key euh, sur la feuille en plus. Mais voilà, C'est un bagnant qui va en faire les frais. Euh, ouais, ouais c'est ça. C'est un bagnant qui va en faire les frais. On va jouer comme ça. Avec un jeu. Euh, avec des passes euh, très directes. Bon, on va balancer devant. Hein. On va balancer devant. C'est chaud quand même. Hein. Il y a, pour moi, il n'y a pas rouge. Hein. Pour moi, il n'y a absolument pas rouge. C'est juste honteux. Alors que monsieur l'arbitre, des Burgos, Ben Gotchea, il a un petit problème. Bon, on va aller chercher le 0-0. Hein. Et on fera le taf à la maison. On n'est pas ridicule, hein, malgré le rouge. On n'est pas ridicule, mais le match, euh, ça, ça a tué le match, en fait. Ça a totalement tué le match. Allez, Da Silva, qui va dégager. Chercher Rafinha. Pourquoi pas, à 10 contre 11. Sur un exploit individuel. Et non, Rafinha qui n'a pas envie. On va aussi faire entrer... Euh, on va faire entrer PFOC, du coup. En pivot. On domine, hein? On domine un peu, attention! Attention, c'est récupéré justement par PFOC. Siebatchu, euh, gnagnon. Bourigeau, On cherchera finir. attention, attention, on, connaît, on sait ce gardien. Il a failli faire des boulets tout à l'heure, c'est récupéré par Kamavinga. Bourrigeau, gnagnon, ça tourne. Regardez pas le ballon là, parce que là sinon, là c'est chaud. Hein. Personne derrière. Hein. Ou Marcelet. Le très bon ballon vers Flavien Tate. Voilà, il est passé. Yo, <laughs> Cette te frappe. Quelle frappe là par contre. Attention, on est en grosse difficulté. Le but de Steven Bergwiss. C'était sûr. C'était sûr. C'est le premier tir cadré de Feyenoord. Et il finit au fond. Rafinha, il m'a pas plu euh, non plus. Hein. Entrée de Del Castillo. Si on perd que 1-0, c'est pas dramatique. Il faudra leur coller une grosse raclée à Rennes. Allez, gnagnon. Avec Del Castillo, justement. Bourrigeau. On n'a pas été ridicule. On a fait le jeu égal. Attention, Del Castillo. Il est chaud. Il vient de rentrer, Del Castillo, Del Castillo. Pourquoi tu tires T'es con ou quoi Bon c'est fini, défaite 1-0. Pas dramatique selon moi, vu ce qui s'est passé. Euh, par contre, ça va gueuler. C'est pas le drama, mais à la couche, euh, bah, t'es 0 en fait. Les jeunes à laissé de tester. C'est vrai qu'on a quand même Eric Loiseau. C'est vrai qu'il y a eu les jeunes pouces, je ne vous ai pas présenté. Euh, notamment Georges Servet aussi. Monstrueux. Très très bel espoir. Euh, voilà les joueurs, les joueurs recommandés. À fort potentiel. Euh, Eric Loiseau. Signé les joueurs recommandés. Pour être formé avec succès. Hop. Voilà, c'est 300, 300 euros par mois. On va sécuriser. Eric Loiseau également. Propagidas aussi. Le Feuvre. Après le reste normalement. Euh, bah là c'est la grosse... Ouais, quoique, euh, amende, oui et non. Parce que pour moi, y a... la faute et Voilà, elle n'est pas évidente dans les tribunes on trouvera un moyen de pallier à son absence parce que le problème c'est que j'ai pas enregistré Dimitri Foulki en Europe Yamavinga qui progresse bien ça ça fait plaisir des belles stats à seulement 17 ans j'espère qu'on va bien se remettre face à Bordeaux euh, pour, rester, euh, pour rester dans la course. Pour rester dans la course, Bordeaux, ils sont mal. Hein. Par contre, Bordeaux c'est 17ème. Ils sont en portes de la zone rouge. Et moi j'ai que 2 points d'avance sur Monaco. Donc si on veut rester 4 il faut gagner ce match. Ce serait bien de finir 4e. Ce hein. serait très bien de finir 4e. Au bando, ouais. j'avais observé. Tirage au sort de l'Europa League euh, pour savoir et on tombera face au Besiktas ou au Shakhtar. C'est plutôt pas mal, hein. Ça peut, on, on aurait pu tomber dans des, dans des endroits vraiment chauds par par exemple par rapport euh, face à Dortmund ou, ou à Manchester United et on tombera soit euh, Face au Besiktas ou soit, soit face au Shakhtar. Pas facile à dire, mais euh, on n'est pas encore qualifié. On est même loin de là, puisque pour l'instant, avantage euh, Barréal qui est monstrueux. Je l'ai dans ma carrière FIFA. Je l'ai découvert sur ma carrière FIFA d'ailleurs, Alvaro Barréal. Il est dans ma sélection, on ne sait jamais. Ça peut vraiment pas coûter cher. Il faudra vraiment éclater Feyenoord. Plus que 1-0. Et j'ai l'un qui progresse bien aussi. Ça, ça fait plaisir. D'ailleurs, il va jouer. Il va jouer dans ce match-là, à moins que je mette Balerdi à voir. J'ai observé Almendra aussi. Je suis... Je suis bien dans les observations là. Thierry Henry On affronte Titi On va changer. Hein. On va remettre ça comme ça. Comme avinga Martin, Rafinha. J'ai l'insolé, c'est pas mal. Bah, c'est vrai que solé. Monstrueux. Avec Balerdi sur le banc. A la couche qui va jouer. On peut peut-être faire entrer Siliki aussi. Allez, c'est parti. C'est parti. Là, il euh, n'y a aucune raison de perdre. Chaque fois que je dis ça, c'est la surprise. Alors, les quatrième, on est sur une grosse forme. On affronte Nicolas de Préville. Cochelny. Voilà. Il y a Loris Benito aussi. Moi, je pense qu'on est au-dessus. Allez, ah, gars, Jouez, ce que... Jouez votre jeu, faites ce que vous savez faire, et le résultat viendra de lui-même. Mais ça peut également euh, nous, nous servir de, de match référence pour aller euh, rec recueillir, je... accueillir, pardon. Accueillir Feyenoord. Mbanyang qui va centrer, attention la tête de Uno était pas loin, attention à la boulette, c'est récupéré, attention à quel ballon pour Depréville, le poteau et but, but de Nicolas Depréville, qui met la douche, Arène, voilà, où est la défense, où est Gélin, il bouge pas, il fait des pas chassés le mec. Au lieu de se retourner et courir comme un dératé, il fait des petits pas chassés comme ça. Hey. Despacito. Ah là 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 là. Attention, parce que là, on est énervé On a énervé Rafinha. La frappe à l'aquaresma. Légalisation. Elle est belle. Pass de Jonas Martin. Oh, elle est belle celle-là. Très bon but de Raffinia et on se déchaîne. On se déchaîne le centre. Attention hein, parce que Bordeaux aussi voilà, ils font des très longs ballons vers De Préville et ça marche à chaque fois. But de De Préville. C'est le doublé. Pourquoi j'ai critiqué ce mec Je l'ai critiqué en début de match. Et voilà ce qui arrive. En fait voilà, on fait des longs ballons. On va les mettre en couverture. Pour justement éviter de se faire prendre par derrière. Et je crois pour moi Mendy est, euh, est pas bon non plus. Moi je suis vraiment pas fan d'Edouard Mendy dans la cage. Ça fait partie de, de mes chantiers. Ah oh là là, dommage. Ça va faire partie de mes, chan de mes chantiers de, de trouver euh, un bon gardien. Et on va perdre 2-1 à la mi-temps. Vraiment, on se met pas en confiance du tout là. Et ouais Et on, re, on retrouve plus du tout le, mon attaque Attention l'interception de Benito Un Benito peut en cacher un autre Sans carré ça joue derrière Allez le pressing les gars Le pressing On se fait chambrer Par Bordeaux Là j'ai eu peur Là j'ai eu peur parce que s'il y a un triplé de deux prévilles Je l'achète je l'achète direct. Mais j'y crois encore, j'y crois encore. Je sais qu'on a les occasions. On a Adrien Hunoud à la surface. Par contre, on prend des contre-attaques assez violentes. Bien joué la récupération de Jonas Martin, Kamavinga, Gélin. Ouais. Allez. les qui accélère. Il s'énerve. Il s'énerve le gamin. Avec à la couche. On va prendre de rouge. À la couche, ouais, le bon ballon pour Raffinia. Faut centrer, faut centrer. T'attends quoi? Ouais, je sais pas. Voilà, c'est un but de merde, mais c'est un but quand même. Et il fait plaisir, Adrien, Unou, sur le dégagement du gardien. On voilà, l'a quand même mérité, celui-là. Ah, c'est le dégagement du, du défenseur sur euh, Unou. Il était là, il savait pas trop. Il était en train de, de saluer la foule et il a marqué un but. On se fait quand même bien bouger à domicile et je trouve que c'est inacceptable de prendre un tel bouillon à la maison. On devrait euh, gagner ce match assez facilement. Mais c'est le jeu la Thierry Henry. Hein. C'est le jeu la Titi. Allez, Kamavinga on va pouvoir lancer. Allez, voilà, Raffinien avec Unou Oui. Le troisième but. Adrien Unou 14e, cette saison. Et on reprend l'avantage. Je vais faire mes premiers changements. L'entrée de Bourigeaud à la place de Kamavinga, qu'on va reposer un petit peu avant de recevoir Feyenoord à la couche. On va lancer ou la ballon en retrait, Rafinha. Oh là là, mais Pefo, t'es vraiment une grosse chèvre. Il n'y a pas d'autre mot. Siobachu, je suis désolé. Nul à chier. Allez, on met la pression. Et on va essayer de récupérer Martin. L'emballant, attention à ce match. Le voilà, le génie que tout le monde attend. Il est dégueulasse. Il sort. Entrée de Siliki. Je nage Martin. Hop. Merde, je, je l'ai pas mis en face. J'ai pas mis dans l'axe, voilà. Allez! Ouais, bien joué, Mendy. Ça, c'est pas mal. Mendy qui va dégager. Solé. Avec Gélin. Gélin. Siliki. À la couche, l'emballant vers Rafinha. Vas-y, Rafinha, le coup de poignard. 4-2. Po, 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 po. Enfin. Voilà, on se délivre. On joue libéré. On joue comme ça. Là, ça va mieux. Là, Là, ça va beaucoup mieux. Rafinha nous fait enfin un bon match. Et Bourigeau peut s'énerver aussi. Bien joué, ça. Ah si on met la même face à Feyenoord, euh, moi ça me va. Sans prendre les buts, ça serait mieux. C'est pas mal, ça c'est pas mal, dommage. C'est plutôt dommage. Et c'est la fin du match. Ah, une victoire quand même euh, bien méritée, mais elle n'aura pas été facile, celle-là. Bien joué, les gars. Bien joué, bien joué, parce que Depréville aurait pu nous faire très mal. Une victoire qui nous permet de rester quatrième. Monaco, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Ils ont fait un partout, donc voilà, on prend un peu d'avance. Ça, c'est bien. Et Rafinha, qui apporte toute sa classe au Stade Rennais. On va se mettre en confiance. S'il nous ressort le même match, il faut être régulier maintenant. C'est ça qui compte. La régularité face à l'équipe de Yapstam. Ah, C'est vrai que. Ah, ah, tant mieux. Tant mieux puisque Ballaréal n'est pas partie. On ne sait jamais. Hein. J'ai peut-être besoin d'une recrue. Par-ci, par-là. S'il y a un départ anticipé de. De Raffinia, de Mbaï Yang, moi je dis, je dis ça, je dis rien. Il y a des choses qui peuvent arriver. Bon, allez. Et après derrière, on aura Amiens, normalement ça peut le faire aussi. Monsieur Bacho mérite d'être appelé. Ben non, je crois pas en fait. On va choisir l'équipe suggérée, je la modifierai ensuite. Là je suis obligé de faire avec, hein, mais moi je ne suis pas vraiment satisfait des performances de ce à l'heure actuelle. Et c'est quand je critique un joueur qu'il est bon. Donc euh, j'espère que là, après ce que je lui ai mis dans la gueule, Miguel Almiron, c'est pas mal, mais par contre ça coûte très très cher. 9 joueurs en sélection, ben voilà, si Belche a été appelé, qu'est-ce que tu me casses les couilles Et en du 19 pour le jeune Bonelli. Allez. Euh, ça ça me va. Niamzi à droite, ça me va. Euh... Nianion par contre ça me va pas. On va mettre au Marsolet. Avec Gélien. En ça, il est cramé ou quoi Non, il est pas cramé, mais en de ça, t'es tu. Bon, là, il n'y a pas de surprise. Hein. Là, il n'y a pas de surprise. C'est une équipe qu'on connaît bien. On va même jouer en positif. Oh là, il faut gagner, là. faut pas qu'on passe euh, juste, juste. Euh à la limite, il faut, faut passer avec un 3-0. Il joue avec 5 défenseurs, mais putain, mais Yapstam, quoi. <laughs> T'es pas beau jeu, mec. T'es pas beau jeu. Il gagne un 0 à l'aller, et maintenant, ça bétonne. Ça joue qu'à Ah, je veux rien d'autre qu'une victoire aujourd'hui. Là, c'est obligé, en fait. C'est obligatoire. Si on marque dès maintenant, ça, ça détruit leur stratégie défensive. Leur stratégie à 5 défenseurs, elle sert à rien. faut la défoncer maintenant. Mbanyang. Ouais, la jolie frappe, une ou Oh, l'arrêt On va le faire, on va le faire, on va le faire. J'y crois, j'y crois. On a le soutien des supporters, on a le soutien des abonnés. On a des likes, on a des posts bleus. Mais ce qui me fait peur, c'est que c'est encore un espagnol qui nous arbitre. Et il nous avait mis un rouge euh, pas très mérité au dernier match. Et pour l'instant, voilà, Fayonard qui joue euh, 0 tir, 0 cadré, qui joue vraiment euh, la défense. Et c'est en train de marcher, mais on va de ça blessé. Le stress monte, le stress monte, parce que la première occasion de Feyenoord, ça peut aussi finir au oh fond oh Le but de Nikolai Jorgensen Là, on est mal. Là, même si on marque deux buts, on est dehors. Quel but de Nikolai Je sais pas quoi faire en fait. Ce batchu est nul, euh, c'est une grosse merde. 6,4. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus, on le savait déjà. Et ma boîte, ça c'est blessé. Hein. Je vais faire rentrer Gnagnon. Je vais faire entrer à gauche. Mais là, 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 c'est compliqué. Là, 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 je pense qu'on est dehors. Là, c'est le but de Jorgensen. Je pense qu'il nous élimine. Est-ce qu'il nous reste suffisamment de temps pour marquer trois buts Tel est le défi du jour. Ouais. Oh là là, oh là là. Et là même tactiquement, tactiquement, je sais pas quoi faire parce que pour moi. Pour moi, je trouve qu'on a, euh, a quand même tactiquement ça se passe assez. assez bien, hein, mais là, je vois pas ce que je peux faire de plus. Hein. moi c'est pas, enfin, pas parce que je prends un but que je vais changer toute ma tactique. Je sais qu'on me le reproche souvent de voilà. Jonas Martin, allez allez, on y croit encore, on prend le ballon, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va. On y va. Je, je sais que ma tactique elle marche quand même assez pas trop mal la, la preuve en championnat. La preuve face à Bordeaux. Et face à Bordeaux, j'ai rien touché, j'ai juste fait confiance en mes joueurs en fait et même si j'ai encaissé un but, je vais pas dire ah ben non, j'ai encaissé un but, je vais changer toute ma stratégie est déstabiliser les joueurs. En termes de possession, domination, euh, ma stratégie est bonne. Donc euh, si on ne gagne pas, c'est que ça vient des joueurs. Et je sais que je vais me faire critiquer pour ça. Mais c'est pas grave, on va peut-être revenir. On va peut-être revenir. Allez, Hunou. Il faut faire un bon centre là. Mais fais un centre, bordel. Mais ça ne marque pas. Allez les gars, à l'offensive, on est gonflé à bloc. On se gonfle à bloc. Bah ben ouais, mais regarde ça, autant d'actions. Autant Et que ça rentre pas, c'est qu'il y a un souci offensif. Et si on gagne 2-1, c'est pire parce qu'on va perdre à la différence. Ah, Feyenoord sera été solide. Et la tactique à 5 défenseurs a bien marché, franchement. Chapeau Yapstam. Tu as bien géré. Très très bien géré et même mon énorme domination n'aura pas suffi. On est dehors de l'Europa League. Voilà. On s'arrête en huitième. C'est réaliste. Réaliste qu'un club français se fasse éliminer de, de l'Europe. On voit ça qui prend, qui prend quelques jours. Aïe aïe aïe. Un meilleur contrat mais c'est pas le moment en fait <laughs> je crois pas que ça soit le moment de venir négocier un contrat à 200 000 euros qui plus est ah ouais bah, il va se barrer lui aussi hein. il, il passe de il a 70 000. je lui propose le double il veut pas il veut 200 000. c'est ferme en fait hop le salaire est fixe voilà et il veut un million dans la poche Ouais, quand même. Hein. Il m'a un peu forcé la main. Mais il sera vendu quand même, ça sera la contrepartie. À la grenier, hop, t'es vendu en Chine. Tu vas pas m'énerver. Bon, ben voilà. À la fois, on est bien et pas bien. Joie et déception, on est éliminé. On est éliminé de cette euh, Europa League. Et je vais avancer un petit peu pour qu'on se retrouve en finale. De Coupe de la Ligue face à Marseille. Et voilà, c'est l'heure de la finale de la Coupe de la Ligue face à Marseille. Je sais même pas où c'est qu'on joue d'ailleurs. En quel stade. Euh, depuis euh, Feyenoord, on a fait nul face à Amiens. Un partout. But de Rutter que j'ai mis titulaire. Parce que voilà, euh, si y a Baccio, moi j'en peux plus de le voir. Et c'est lui qui a marqué. Et euh, victoire face à Reims. Victoire 2-0 j'ai changé un petit peu ma tactique parce que ça sert à rien de mettre deux attaquants s'il y en a un des deux qui sert à rien et puis voilà, j'ai un petit peu moins confiance à ma défense aussi euh, du coup on va repasser comme ça avec Unu tout seul en pointe Rafinian Yang euh, Kamavinga qui va être en milieu déf derrière Bourigeau et Martin euh, derrière je vais mettre Gélin et euh, Solé à la couche Ma on va de Mendy Mendy qui est d'ailleurs en vrai plutôt gardien libéraux et euh, je vais jouer comme ça, en équilibré. Je pense qu'on peut le faire, mais à la dernière fois qu'on a joué Marseille, ça ne s'est pas très, très bien passé. Donc euh, voilà, j'espère que ce nouveau, euh, ce réajustement tactique va être bon. Algermaer, Adonjic, Tovin, Strotman, Rongier, Zubeldia, vie quelle est Malcuit. carcamara mal cuit, pas mal mal cuit. Et Mandanda. Deux tactiques plutôt similaires qui vont s'affronter. On est au stade de France, tout simplement. Allez les gars, on sort du tunnel dans un stade de France plein à craquer pour observer. Euh, Marseille et Rennes, qui aura un trophée à l'issue de ces 90 minutes ou plus On a quand même de la fatigue puisqu'on a joué dans la semaine en Ligue 1. Et le premier corner pour Rennes, ça va être récupéré par Kamavinga. Kamavinga, le centre, on va chercher Solé avec Rafinha. Attention, Elle a bien joué Rafinha. Oh là là, il a tenté la première première intention au premier poteau. On domine plutôt ce début de match. Un eh ben, bagnang, c'est pas ça qu'il faut faire. Mandanda, voilà. Caleta. Florian Tovin, il peut nous faire mal. Il peut nous faire très mal, Florian Tovin. Oula. Pas envie de prendre un but de Germain non plus. C'est plutôt équilibré ce début de match on va récupérer avec Adrien Hunou Rafinha ça combine Martin oh quel ballon quel ballon pour m Mbay Niang qui ouvre le score 1-0 on met Marseille au tapis avec Bernard là c'était pas fait exprès et là Jonas Martin qui voit un Niang qui a qui a pris la course dans le dos de la défense. Ah, ça peut quand même faire plaisir. Peut-être qu'on est sorti de l'Europa League. Mais euh, remporter la Coupe de la Ligue. J'ai l'un qui s'est euh, à moitié blessé là. J'ai l'un qui s'est à moitié blessé. On va faire entrer Gnagnon. Hein. Finissez le travail pour être sûr d'avoir le trophée, les gars. Allez! On a bien dominé en termes d'occasion cette première période. Et on peut enfoncer le clou. Ça serait bien là, de mettre le deuxième. Ça serait bien de mettre le deuxième. Adrien Hulou qui est tout seul. Il va se présenter face à Mandanda. Il n'y arrive jamais les attaquants. À chaque fois qu'il y a un face à face, il peut être sûr qu'il le loupe. Ça sert à rien les occasions comme ça. À ma vie. Oh, on est bien fatigué hein. On est bien 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 fatigué Kamavinga est cuit Mamatsa est cuit euh, Je sais pas trop quoi faire là Parce que Kamavinga, il est cramé aussi On va jouer comme ça Et avec Siliki C'est Liki qui va rentrer. Il se passe quoi là La récupération Jonas Martin. Peut-être l'homme du match. À la couche. Avec Rafinha. L'accélération, la vitesse. Rafinha qui passe. Ça va être récupéré par Mabatsha, Bourigeau. C'est Liki, Martin. Oh, quel ballon. Vers Mawatsa qui va pouvoir centrer peut-être. Mawatsa le 100 second. Poteau vers Raffinia. Ça fait 2-0. Popopo. Là, par contre. Là, les gars. Je pense que la coupe de la Ligue, on va la ramener à Rennes. Ramener la coupe à la maison. Allez, Rafi, Rafi. Raffinia. Oh, Attention Mawatsa là, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est le rouge pour fait tout Mawatsa Il fait tout dans ce match Pardon <laughs> euh, Bah Nirgnon à gauche hein. Il reste 5 minutes Il reste 5 minutes Et euh, ouais Et Mawatsa qui a voulu aller se changer avant de, de soulever la coupe la petite, douche, la petite douche avant le trophée. Il n'est pas si con que ça. Gagnon. Avec une ou. Le 3-0, ça ferait très mal. Le 3-0, ça ferait très mal. Est-ce que Marseille peut sauver l'honneur À qui tente des frappes de là. On a été vraiment solide. À la fois défensivement. Et en termes de finition, on a été plutôt efficace aussi. On renaît peut-être avec cette tactique. Oh, attention, attention à Radoncic, la nouvelle star de l'OM. On peut dire ça comme ça. C'est bien défendu, c'est très bien défendu. Et une ou qui va récupérer devant la foule en délire. Il est taclé par Kaletakar. Et ce sera un corner, le dernier de ce match. Tiré par Benjamin Bourigeau. Ah, ça va être fini. Ça va être fini. Apportez-nous la coupe. Apportez-nous la coupe, bordel. La coupe de la Ligue. Bon, mais ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même plaisir. Un petit trophée. Avant de, de finir la Ligue 1. Et d'essayer d'aller chercher cette quatrième place. C'est une belle victoire. Voilà. La coupe de la Ligue, c'est pour moi. Merci. Beto activé. 2 millions. Mawatsa est suspendu. Il accepte l'amende. 21 médailles ont été remises au joueur du stade rennais. Ok. Bah D'accord, c'est peut-être nouveau ça. C'est peut-être nouveau l'histoire des médailles. Benito met le stade rené au sommet. Euh, les dirigeants contents de leur entraîneur. Qualification Ligue Europa. Et de toute façon, voilà. Si on finit. Euh, bon, avec l'avance qu'on a. Mais, ah ouais, non, on a un match d'avance. On a un match d'avance sur Monaco. Et Toulouse 6 hein, Si seulement. Toulouse 6 Mais bon, il faut que je sois dans les trois premiers. C'est pas encore impossible, mais. Euh, ah ça serait, quand même, ça serait quand même assez énorme de finir dans les trois premiers. Vu ce qu'il me reste à apprendre, il me reste Monaco, il me reste Marseille. La fin de saison ne va pas être évidente. Mais à voir, à voir peut-être si je fais un petit dernier épisode de fin de saison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un maximum de commentaires. Vous voyez cette vidéo, vous laissez un petit mot. Ça fera toujours plaisir et j'essaierai d'y répondre. Euh, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Salut à tous.